Alors que les pigeons s'envolent, regardez, c'était une image sympathique aussi ce matin, le Tour de France des colombophiles. Ariel, vous êtes dans la paille. Voilà, je suis dans la paille avec des ailes aussi. Oui, ça vous sera arrivé une fois dans votre vie et c'est en direct sur France 3. Karine, il faut présenter Ariel. Eh bien donc notre alors Ariel, je vous présente Noël Jamais, qui est 5 fois champion du monde de cri de cochon, ça ne s'invente pas. Qui a été élevé dans une ferme tout près d'ici, à La Baleine, et c'est là où il a un petit peu appris à imiter le bruit des différents animaux. Oui, tout à fait, parce que c'est là que mes parents ont tenu une ferme, et puis après, je me suis retrouvé avec des amis, tout ça, à vide de l'épaule où j'habite, et là, j'ai appris à faire des bruitages de plusieurs bruits d'animaux, dont le cri de cochon, où j'ai vraiment commencé à faire le cri de cochon à la foire de l'Andouille de Vire. Voilà, et ça se travaille, j'imagine. Oui, après ça se travaille, le costume et tout, parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Il y a eu un couple d'amis qui m'a donné un coup de main, puis après j'ai amélioré le costume, et puis après ben, on fait la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Il faut avoir quand même un organe assez puissant. Oui, pour... là vous allez voir tout à l'heure. Oui, je pense que... Le cri, tout. On va faire une démonstration. Voilà. Alors, c'est vrai que moi en plus, vraiment, je suis très attaché au cochon, j'adore cet animal, je ne sais pas vous Ariel. Mais oui, en plus, j'aime beaucoup les animaux, tous, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne les mange pas, mais je les aime, et les petits cochons, on dit que c'est un animal en plus extraordinairement intelligent. Vous avez raison. Et alors, très attachant. Là, on va vivre donc un instant mémorable. Attention, branchez tous vos enregistreurs DVD. Voici Noël, de la naissance à la mort du cochon. Alors, c'est parti, on y va. Vous voyez, un cochon, au bout de 3 mois, 3 semaines et 3 jours, aime et bat. Un petit cochon. Voilà le petit, le petit cochon. Et vous allez faire comme moi, vous allez les compter. Ça en fait combien? Vous comptez, hein. Là, le deuxième petit cochon. Vous avez vu? Ils sont beaux, hein. On y va! Il y en a 3 déjà! J'avoue que je sais plus trop quoi faire moi là. Là, il y en a plus, hein. C'est bon, il y en a 4 déjà. Ils sont tous nés là? Ouais, ils sont tous là. Ouais, ça suffit peut-être, non? Oui, c'est pas mal déjà. C'est déjà une belle portée, hein. Ah oui, hein, ils sont beaux. Ah ouais, ouais. Je vous confirme. Hein. Et donc, quand on finit, la mère, quand elle allait. Elle allait, ouais. Eh bien, il y a toujours un petit qui va vers la tête du cochon pour dire que ils sont tous prêts pour allaiter et la mère, elle fait un autre bruit. Et chaque cochon, quand il naît, garde la même tétine. Ah. Et la mère quand la lettre, elle fait comme ça. Fait ça, oui, il y a la montée, vous allez voir. Je crois qu'Ariel est médusée. Elle se dit... Et la mère quand elle du lait, elle fait comme ça. Très bien. Oh. Ah oui, ça y est, ça sort. Hein. Et on finit par la mort du cochon. Donc on arrive au bout, là, pratiquement. Oui. Là, c'est la naissance, oui. Et la mort du cochon, c'est comme ça. Ah, c'est la mort, là. Attention. Merci, bravo quand même. Ariel, juste une petite réaction. Merci Noël, merci non, beaucoup. Non, mais monsieur est très très talentueux. Mais alors, il ne fait pas que la mort du cochon. Vous faites aussi les poules, les canards. Ben, je fais un peu de bruitage de plusieurs bruits d'animaux comme le porc, dindon et... La et vache. Et le dindon, ouais. Le dindon, ça sera pour une prochaine émission, si vous le voulez bien. Merci, bravo Noël. Fabien. Allez, on va parler du scriptorial maintenant, avec vous, ici à Avranches. Évidemment, le scriptorial,
le Spictorial d'Avranches, évidemment un monument très important. Regardez ces images. Alors, dépositaire des manuscrits du Mont-Saint-Michel depuis la Révolution, la ville d'Avranches propose depuis l'été 2006, et j'en profite pour saluer Gwenaël Huette, le maire de la ville, un musée exceptionnel au cœur du quartier ancien. Alors, ce musée constitue un véritable centre culturel et économique majeur de la région. 3000 livres anciens provenant du monastère du Mont-Saint-Michel, 200 manuscrits du Moyen-Âge sur parchemin, dont certains datent du 8e siècle, font aujourd'hui la renommée du scriptorial, bien sûr, d'Avranches. Beaucoup d'expositions temporaires avec des thèmes très variés. Là, ici, on voit bien sûr Victor Hugo et la mer durant tout l'été 2013, puisque Victor Hugo était parti, comme chacun le sait, le 14 juin 1836 avec Juliette Drouet de Paris pour rejoindre bien sûr la Normandie. Et puis Avranches, il séjournera bien sûr à Avranches dans la nuit du 27 au 28 juin 1836 après avoir visité évidemment le Mont Saint-Michel. Alors le scriptorial bien sûr d'Avranches propose aussi des ateliers aux enfants pour justement retrouver l'histoire de l'écriture, etc. Enfin, tout ce qui touche autour, bien sûr, des manuscrits. Ah oui, je dois dire que je suis très bouleversée par les dessins de Victor Hugo. Bien sûr, après, il a fini sa vie à Guernsey. Mais on peut voir les dessins à Paris toute l'année, place des Vosges. Il faut dire que c'est des dessins tellement romantiques. C'est vraiment des encres extraordinaires. Et saluons tout de suite Pierre-Yves Paris, qui est l'un des conservateurs du musée du scriptorial, justement, d'Avranches, parce qu'il nous a ouvert hier soir les portes de ce musée magique. Merci Pierre-Yves Paris. Et puis alors, le donjon d'Avranches. Alors, très le important donjon aussi. D'Avranches. C'est vrai, si on vient à Avranches, on voit un merveilleux donjon ancien, très ancien, qui n'est absolument pas le donjon original, je précise, des fortifications d'Avranches, puisque le vrai, je précise pour tous les Avranchais, le vrai a été détruit en 1883. Ah bon? Et oui, donc il s'agit en fait d'une courtine, c'est-à-dire des fortifications qui couraient, on va dire, le long de la ville, qui protégeaient la ville. Mais je dois saluer quand même la mémoire d'un garçon qui a été très, très important, c'est Gabriel Fallope. Gabriel Fallope, c'est un homme essentiel dans l'histoire du, on va dire, du 15e siècle, parce que c'est lui qui a protégé des millions d'hommes, tout simplement en inventant le premier préservatif. Et oui, c'était en 1555. Les premiers préservatifs ont été distribués ici, en Normandie. Ils étaient faits comment ? Alors, c'était fait en boyaux de mouton ou boyaux de porc. Ouais. Ils en ont distribué plus d'un millier, ce qui a protégé, ce qui a limité l'épidémie, en fait, de la syphilis, qui, malheureusement, faisait des millions de morts dans toute la France. Et donc, on doit saluer quand même la mémoire de Gabriel Fallope. Bien avant que les préservatifs ne soient en plastique, en caoutchouc. Là, il faudra attendre Ariel, 1880. Voilà. Pour les... Et puis alors, Fabien me disait tout à l'heure que les Anglais avaient peur de venir en France cause de la syphilis. Ouais. Exactement. Voilà, c'était notre petit moment culturel. Voilà. Juste après le cri du cochon. Juste un mot, Natacha, parce qu'on va vous retrouver sur France 3, et ça, c'est du bonheur aussi à la rentrée. C'est un grand bonheur. C'est l'émission de variété qui va s'appeler Les Chansons d'abord. Hein. Les Chansons d'abord, et tout est dit dans le titre. Ouais. C'est une émission où, avec 5 jeunes talents, je recevrai chaque semaine des artistes connus, moins connus, plus connus. Et le but est de faire la place belle à la musique et à la chanson. Comme je suis une amoureuse de la musique, je ne pouvais pas laisser la musique disparaître comme ça. Et je me suis dit, vas-y, prends tes responsabilités, ma grande. C'est une nouvelle facette, vous êtes animatrice maintenant. Vous qui rêviez d'être chroniqueuse à Télématin, notamment. Mais plus ou moins, je reste une chanteuse. Hein. Je reste une chanteuse, mais je suis une chanteuse qui fait de la télé, qui fera vivre la musique à la télé. Oui. Voilà. Moi, je trouve ça très excitant parce que non seulement elle connaît la voix, elle chante, mais elle va pouvoir parler du cœur même de la musique. Ça va être sûrement réussi. Le dimanche après-midi sur France 3 à la rentrée. Oui. Pendant qu'Ariel va aller rejoindre Thierry, Olivier et Annie pour goûter le plat avec votre goûteur, je voudrais quand même vous montrer le parcours de l'étape d'aujourd'hui. Donc ce contre-la-montre individuel que vous allez pouvoir suivre dans un instant sur France 3 et sur France 2. Les coureurs qui vont donc arriver au Mont Saint-Michel. Michel. Et tout à l'heure, eh bien, c'est Thomas Vauclair que l'on aimerait bien revoir en jaune comme l'année dernière, hein, évidemment. Mais bon, ça va être difficile parce que Chris Froome, on va voir s'il va creuser l'écart aujourd'hui, s'il va tuer un peu ce Tour de France. Mais c'est vrai qu'il a déjà pris une belle avance. Voilà, on va donc en remerciant Natacha Saint-Pierre. Merci. Je vais retrouver... Soyez les bienvenus en cuisine, nous sommes avec Angoud, tout est prêt.
Les tartes sont cuites, donc je vous rappelle que deux tartes différentes sont proposées aujourd'hui. Celle de Thierry avec l'andouille et puis celle d'Annie avec le jambon. On ne sort pas du cochon, alors on a entendu son cri et puis c'est à nouveau du cochon. Et c'est encore du cochon. Alors est-ce qu'Alexandre, le goûteur, est là? Venez Alexandre, c'est le goûteur. Elle était travaillée avec amour. Travaillée avec amour. Beaucoup avec amour. Et que du produit naturel. Et un petit peu alcoolisé, attention. Un petit peu. Un tout petit peu. Avec beaucoup de modération. C'est bon, ça fait pas de mal. Il faut qu'on goûte maintenant, mon cher Alexandre. Donc goûteur officiel d'Ariel Dombasle. Goûteur officiel. Alors choisissez la première et vous allez devoir trancher. Voilà. C'est le cas de le dire. Avec du rythme, hein, mon cher Alexandre. Voilà. Autrement dit. La première. Alors. Ça c'est très bon. Ça c'est Annie. Hein. Ça c'est Aline. Avec du jambon et de l'andouille pour Thierry. Mais ce sont les mêmes ou pas? Ah non, c'est la même recette, mais c'est pas la même main. Et Ariel juge un petit peu le côté artistique. Hein. Oui. Alors, verdict. La première, c'est Annie. C'est pas juste, c'est pas juste. Voilà. C'est galant, Thierry. C'est galant, c'est votre femme qui a gagné. Je reçois mes andouilles, mais je pensais que mon andouille était bonne. Merci d'être venu en tous les cas. C'était bon. Et bravo. Ariel, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça a été un bonheur. Merci, Angoune. Merci à vous. Ça a été quand même un grand moment et je vais rejoindre. Et ce Tour de France est vraiment une merveille. On est heureux d'être là. C'est du bonheur. Merci, voilà. Ariel. Allez, je vais rejoindre notre dernier invité avant de donner la main à Gérard Holtz, à Thierry Adam, à Cédric Vasseur. C'est Brice Conrad, l'un des tubes de l'été maintenant.